putain. Ah, peu cher, c'est Kirby Dream Course. Oh là là, dis donc, oh là là. On va continuer donc ce match des... Oui. Des oh, mais pas du Loïc Raison. Oh, ah, oui. Bien de chez nous. Oui, ils viennent du sud. Ah, le sud de la Bretagne. Ah, le sud de la Bretagne, peu cher, c'est bon. Ah, on fait de la bonne bouillabaisse. De la galette bouillabaisse. Tu rigoles? J'ai fait une galette ratatouille un jour, c'est très bon. Et du pastis aussi, là. J'aime pas le pastis. Non, moi non plus, j'aime pas l'Annie. C'est dégueulasse, l'Annie. J'aime pas l'Annie. J'aime bien le prénom Annie, mais j'aime pas l'Annie. Ouais, enfin, moi j'ai rien contre le prénom Annie. C'est pas que je l'aime spécialement. Putain, c'était nul. Ma belle maman, elle s'appelle Annie. Bah, c'est bonsoir, Annie. Moi je pense pas qu'elle écoute. J'espère pas. Oh, la vache, elle serait gênante. Et tu crois que si elle fait d'escalade et que elle est la première, tu crois que c'est Annie première de cordée? Quoi? Ou... Alors. Non. Alors. Alors, non, parce que imagine, Annie, elle a un chien, c'est l'Annie Corgi. Merci, oui, c'est mieux. Annie Corgi, voilà, voilà, ouais, voilà. Très bien, voilà, voilà comment on fait. Voilà comment on fait de l'humour. Corgi jugé flic. Tu vois les petits Corgi avec leur casquette et leur matraque. Et t'en as un autre avec une perruque blanche et une robe, genre. Ah, les Corgi jugé flic, ils m'ont encore envoyé en tôle. T'imagines le crossover avec les boeufs carottes? Quoi? Tu connaissais pas l'émission? Il y avait une série policière française aussi qui s'appelait Les Boeufs Carottes. Ah bon? Ouais. Parce que ça pourrait être la pâtée pour chien du coup. Bah ouais. Oups. Boeufs Carottes. Pour dire je t'aime. C'est Shabba. Attendez les jeunes, attendez. Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien. Bah, on fait des blagues de vieux. Oh là là. Bah oui, mais bon, moi vous savez, je suis une petite jeunette. Hein? Rien que le fait que je dise ça, ça prouve que je suis une jeunette. Ça prouve que tu l'es pas. Voilà. Ah là là, le balmusette. J'adore. Comment ne pas perdre oh, la tête, hein. Oh la guinguette, oh, mais oui. C'est comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux. Oh, c'est beau. Car on croit toujours. Oh, du mot d'amour, quand ils sont brillants avec les yeux. Pleure. Qui l'aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Ouais, t'as vu, hein. On connaît la musique. Il ne m'aime plus, c'est du passé. Non, pas vraiment. C'était la Vita de l'époque, tu vois. Wow. On a eu un grand débat sur Vita. Ah oui, c'était là. Assez drôle. Ah, oh, fuck. Ok, c'est bon. Calme-toi, PJ. Oh, fuck. Mais ouais, Vita... Oui, qu'est-ce qu'elle devient, Vita? Oui, alors, à part ses bah, tweets... Elle sort toujours des albums, hein. À part ses magnifiques tweets dont tu... Non, c'était L'âme. Ah oui, non, c'était L'âme. C'était L'âme, pardon, je confonds. L'âme, elle est marrante. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah, elle a beaucoup d'autodérision, l'âme, quoi. Mais oui. Elle a encore l'âme d'un enfant. Parce que l'âme... Alors là, c'est le moment. C'est PJ Futur. Si jamais il y a un moment où tu dois mettre les grillons, c'est maintenant. Putain, en plus, je tombe comme une petite merde là. Tu glisses du cul. C'est une belle âme. L'âme. Elle ira au paradis avant les autres. J'espère qu'elle trouvera l'âme sœur. Les filles. La sœur de l'âme? Elle a une sœur là? Oui, elle a tout un frère. Enfin, bon. Comment j'essaye de sauver cette situation de blague ça qui marche tourne pas. Donc, de pouvoir faire. Écoute, comme PJ. Ça. Le seul conseil que je puisse te donner, c'est d'écouter ton cœur. Hey ça va? Finalement, je retire ce que j'ai dit. C'est moi. J'ai mal. Arrête de fumer. Tu m'épuises. Attends, tu. Non. Bonsoir. Non, mais. Je suis devenu un pro, cherche pas. Non, mais va te faire. Voir chez les Grecs. Ça par contre ça va pas être cool si tu fais ça. Ah bon? On va pas être poteau. Qui fait quoi là? On va pas être poteau, je te préviens tout de suite. Ok alors je ça c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça ça c'est pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qui se passe PJ? Enfin. Je m'en fous, j'ai quand même gagné. Rien à battre. Ou pas. Ah yes. 4 km. Désolé, y'a ma testostérone qui dépasse. Ah, t'as de la barbe qui pousse. Oh là, attention. J'en ai toujours rêvé. Moustache instantanée. Alors là, on va tenter l'impossible. Comme. Impossible n'est pas Lola. Comme Henri Cavill. Oh, oh vas-y. Oh, chiant. Oui. Oh merde. Bon, bah, c'était sympa. C'est un échec. J'aurais mieux fait de te voler tes étoiles. Qu'est-ce que tu. Bon, ouais, peux... dis donc, tu commences déjà à bailler, toi. Ouais. Et bye aux corneilles. Non, je vis chaque jour comme le dernier. On l'a fait trop souvent, ou moi j'ai envie de dire pas assez souvent. Hein, on l'a fait jamais trop. Question de point de vue. Ouais. Mais vas-y, mais mange tes crottes de nez. De
t'es mort. Mais la 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 sponsorisé par Strepsil. Retrouvez tous les plus grands classiques de la musique classique, comme le Boléro de Ravel. Pouette pouette. Attends, c'est quoi déjà? Le Boléro de Ravel, c'est... Non, c'est X-Files. Je suis l'alien. Merde, c'est pas ça que je vais faire. On m'appelle l'OVNI. L'OVNI, oui, voilà. Je suis l'alien. T'es mon grand-père. Je suis l'alien. T'es tellement un papy. Un boléro de la veille, boléro de Ravel, c'est... Boléro de la veille. Ta 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 ta. Non, c'est Carmen Burana. La 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 la. Là, il y a mon micro. La 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 la. C'est son micro. La 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 la. Laisse-moi crier dans le micro pour te dire de faire attention au micro. Putain, j'ai fait de la merde. Je sais même plus ce que c'est le boléro de Ravel, fais chier. Mais si, c'est... Tain, tain, tain. Non, c'est ça. Non. C'est la, 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 la. Non, c'est la, 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 la. Non. Yes, yes. Je dors, fais chier. Pendant que PJ dort, moi je. Lilo la danse. Lilo la danse. Lilo la danse. Les premières chansons doublées par Pixar. Oh wow. Oh non. Je vais m'arrêter là. Ok. De toute façon, tu vas pouvoir reprendre mon étoile après derrière. Hein. Là, ouh. Ouh. Parce que je dors. Yes. Cette manche dure beaucoup trop longtemps. Je m'en fous. Moi, je savoure. Toi, t'es là pour la gagne. Moi, je suis là pour la gagne. Ok. Non. Ici. Non. Ah oh non. Bah ouais, dommage. STP. Nope. STP. Nope. Mais fais pas ton fils de chien. Nope. Allez. Un fils de chien, et en plus c'est mignon les chiens, donc tu vas me laisser tranquille. Bah c'était un compliment. Mais, bitch. Ok. Mais je sais pas, les interactions sociales c'est la merde. Je m'en fous, on a fait égalité. Ouais, et c'est à dire que je gagne toujours. Il est quelle heure? Oh ça va. Ouais. T'en as trois shots, il est pas si tôt que ça, hein. Bah, non, mais j'ai mangé une petite salade. Ah. Donc, D'ailleurs, merci, Lorraine. Oh là là, je vous ai pas raconté. Ah, vas-y. Lorraine, elle a mis la table pour moi. Elle m'a mis une assiette. Elle m'a mis des couverts. Truc que Sam fait jamais. Un verre. Mais non, mais Samuel, il met pas la table, quoi. Bon, il fait à manger. Donc, et il fait... Oh là là, Samuel, il fait du bon manger, hein. Mais là, t'étais partie sur le fait que Lorraine faisait du bon manger. Mais oui, Lorraine, elle m'a fait une petite salade. On fait une petite salade, quoi. On s'est composé notre petit truc. On a papoté entre meufs. On écoutait de la musique. Ouais. Oh, mais c'était génial. D'ailleurs, je t'écoute. J'ai apprécié ce moment. Moi aussi. Merci pour ça. Merci pour ce moment. Attention, ça devient politique. D'ailleurs, Lorraine est une poule. Vous le savez pas, ça. Voilà. Hein, elles viennent d'où les œufs pour la Wish? Eh ben elles sont là. Et les lardons à ton avis? Oh. Je suis désolée pour toi PJ. C'est toi les lardons. Tu sais moi mes Wish pardon, je les aime comme mes omelettes. Baveuse et sans lardons. Je savais que t'allais dire baveuse. J'allais dire molle. Mais c'est pas vrai. Waouh, regarde, je vole PJ. J'ai bien une quiche, moi. PJ, je vole. Non, tu meurs, regarde. Oui. Non mais tu... Oui, nice. Yes. Oui, yes. Nice. Est-ce que ça vous dit des wish pour ce soir? Si elles sont faites maison, ouais. Ouais, je les fais maison. Ah ouais? Ah bah oui, ouais. Ah bah alors oui. Ah bah wish plutôt, comme ça. Exactement. Dis. Bah ouais, carrément. En plus, maintenant que tu sais tes produits qui sont bons ou pas bons... Ouais, je vais pouvoir tous les scanner au Monoprix. D'ailleurs, cette soupe de légumes m'a donné envie, hein. Ah, parce que c'est la soupe de légumes, si tu veux. Fuck. Non, c'est gentil. Mais il me faut quelque chose de plus consistant pour éponger tous ces loïcs raisons. Oh. Oui, ça fait du bruit quand tu tapes un truc. Ouais. On dirait un truc... Ah, c'est parce que j'ai récupéré mon téléphone et j'ai tapé dedans, ça ferait gaffe. On dirait un truc mystique. Oui, ouais. C'est ce qui est marqué sur l'étiquette quand t'as acheté au Monoprix. Truc mystique. C'est bon super pour la santé. Voilà. Ça par exemple, c'est un truc dans les jeux de rôle, j'avais compris. Genre, waouh, vous trouvez un truc mystique. Pourquoi où est-ce que c'est marqué que c'est un truc mystique? Mon cul. Ah bah ça, oui, ton cul. Mon cul. Il est pas rond, il est pas carré, il est pas ovale, il est ovale. Mon cul. Mon trou de balle. Non, mon cul.
C'est, en fait, je trouve que cul, c'est un mot drôle. Ouais. Oh, merci à la personne qui a commenté fesses sur mon dernier épisode. J'en peux plus. Des fois, je le regarde juste pour le plaisir. Ce commentaire avec écrit fesses et cette personne qui répond mais pourquoi t'as écrit ça? Et je trouve que tout est parfait là-dedans. Il y a une histoire, il y a du lore. Il y a du storytelling. Mais oui, on sent que quelqu'un est choqué. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un veut comprendre, mais on lui donne pas les clés. Et moi, quand j'ai pas les clés, bah, je peux pas rentrer. Ben non. Il faut aller voir le père Four. Ah, et quand le père Four. Il fourre. Le curé du. Voilà. Waouh. En fait, je sais plus ce que je dis. Il tape, hein, le cidre. Il tape le cidre, vraiment? Je sais pas. Bah, en même temps, moi, j'ai bu plus de cidre que toi, donc. Putain, j'étais en train d'aller chercher une recette de quiche sur Twitter. Oh là là. Sur Twitter? Bah ouais, meilleur endroit où trouver des recettes de quiche. Tu postes un truc. Eh, c'est quoi vos recettes de quiche, les twittos? Vas-y, je vais poster ça sur Twitter. Vas-y, c'est quoi vos recettes de quiche, les twittos? Eh, lâche-moi. Eh, vas-y, fais ça, je te retweet. Balance ta quiche. Balance ta quiche. Liquish. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, je pense pas non plus. Non. Ah ouais, non. Non, c'est une mauvaise idée. Oh, très mauvaise idée. De toute façon, les idées de PJ en général, on est d'accord. Ouais, que... c'est pas non plus. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Non, mais de toute façon, t'es une étoile de plus que moi, donc. Il faut et alors, c'est pas assez. Vous avez prospecté. Prospecté. Il a pété. Alors, est-ce que t'as des étoiles dans le coin ou c'est que moi qui ai. Non, moi, ouais, toi, t'es tout là dans le coin, moi, je suis de l'autre côté. On a fait le tour. Alors, et c'est quoi vos recettes de Wish? J'en fais une pour les alcooliques. Ah, super, en plus, tu fais du branding. Ouais. Yes, aïe. Elle fait du CM. Ouais. Du. Couillu mignon. De la couche malgache. Wouh. Je vole. Attention, la pique. Non. Attention, la quoi? Attention, les piques, j'allais dire. Ah. Mais c'est transformé attention à la pique et ça a presque été attention à Anne-Sophie Lapix. Oui, et alors moi, tu sais que j'ai peur d'Anne-Sophie Lapix. Les grenouilles et Anne-Sophie Lapix, c'est. En même temps, il y a Lapix dedans, ça me fait penser au lapin dans les Final Fantasy et tout. Moi, ça me fait penser à Lapix Lazuli. Ah oui. Oui, mais vous faites partie des gens nuls qui connaissaient pas Lapix, non? Vous connaissez pas la Peach? Je connais les Peach, les brioches. La souris, la Peach, qui est une petite souris qui fait des chaussures. J'ai l'impression que j'en parle à chaque fois. Non. La Peach, le petit cordonnier, personne? Absolument pas. Ah, c'était un dessin animé qui passait sur TF1. Sur T'es fou. C'est très idiot ce que je viens de faire. Oui. Ah ouais, moi je regardais pas T'es fou, c'était trop populaire. Oh mais pardon, madame de la Wish. Non mais c'est mon papa, il voulait pas que je regarde des trucs normaux pour les gens. Bah oui non. C'est... Mais il a raison. Regarde Pokémon. Non mais regarde Pokémon, comment je suis devenue débile maintenant. J'attendais que mes parents dorment mais je regardais Pokémon. Non. Excuse-moi Lorraine, je t'interromps pour dire que je jurais. Waouh, tu l'as passé là. On s'en foutait. Hein. C'est la première manche que tu gagnes. Il y a plus que 2 points d'écart, mon gars. Ah ouais? Oui. Non. 20-22. Si, regarde. Non. Alors, qui c'est qui va chier dans son froc? Ok, on prend ce chemin, très bien. Enfin, je t'oblige pas, hein. Mais je dis juste que si jamais. Ah non, peut-être c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, mais c'est pas bon du tout. Moi, je préfère à la. Ah merde. Ah merde. Attends, ah non mais attends. Et le prix du meilleur acteur revient. Oh, oh god. Je vais fabriquer un Oscar et je vais vous les donner à chaque fois que qu'il y a un truc. Est-ce que tu pourrais me faire un Oscar mais où il a pas de slip? Il a un slip? Non justement pas de slip. Et un énorme chibre. Non mais attendez, en fait c'est drôle parce que Samuel un jour il était allé aux États-Unis et il m'a ramené un cadeau et c'était une petite statuette d'Oscar avec marqué genre best girlfriend de truc un peu suppose. Mais c'était l'Oscar comme c'était pas officiel il portait un slip. C'est la statue des Oscars avec un slip. Et du coup dans ma tête il a un vrai slip. Mais non, les vrais Oscars ils ont pas de slip. C'est comme genre les polos Lacoste. Sauf que c'est pas Lacoste dessus. C'est un caillou, c'est un... C'est la croûte. Quel beau polo la croûte. C'est un varan ou un lézard, tu sais. C'est ou une grenouille. C'est pas un mec qui fait du polo. Genre c'est pas un truc à farine. C'est pas un mec qui fait du polo. C'est un mec qui fait du water polo là. Ouais c'est ça. J'aimerais trop faire ça. Bah écoute, moi j'aimerais un slip d'or. Un slip d'or. Oh, ouais, et comment je les fais? Comment je les dessine? Comment je les fabrique, les Oscars? À quoi ça doit ressembler? À une bouteille? Eh ben, tu nous feras la surprise au prochain épisode de peut-être savoir comment. Ha ha!